état d'esprit d'impatience. Ça fait maintenant à quelques jours près cette semaine de travail, mais aussi de plaisir. Je dirais avec un groupe qui répond à l'attente, en tout cas dans ce qu'on attend d'un groupe. Donc on peut leur demander ce qu'on veut, ils sont volontaires et la mentalité et l'ambiance qui règne au sein du groupe est positive. Maintenant évidemment, la réalité du football c'est le terrain, c'est le championnat qui commence demain effectivement. Et voilà, donc on ne doit certainement pas se baser sur des faits, mais c'est toujours mieux de commencer avec des appréhensions, apaisées par une ambiance et plutôt que l'inverse. L'année dernière était une saison compliquée, dans le sens où on découvrait une division 2 qu'on ne connaissait pas, où on avait recruté sans connaître les qualités et les défauts de cette division. Qu'aujourd'hui on a ciblé un peu plus par rapport au recrutement, mais aussi que sportivement on savait où on allait. Donc c'était évidemment, je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais aujourd'hui on a certainement moins de craintes. Mais attention, l'année dernière on se posait beaucoup de questions et finalement le début s'est pas trop mal passé. Donc ici on a plutôt l'impression que tout baigne et je dirais que c'est peut-être là le danger. Donc c'est aussi mon rôle de pouvoir remettre et de ramener tout le monde dans le droit chemin pour débuter cette campagne. C'est le minimum et je pense que chaque compétiteur au fond de soi-même espère faire des miracles. Ouais, je dirais qu'il faut tout d'abord souligner et encourager les fidèles à continuer et aux infidèles de leur dire qu'on leur pardonne, tout simplement. Et des jeunes et aussi des moins jeunes, mais qui font partie de cette belle province, de cette belle région qu'est la Gourme. Donc plus de la moitié du groupe est issu de la province et effectivement c'est très rare. Ok, merci.